Salut à tous, je vous amène aujourd'hui avec moi sur une compète de route. Alors, je fais très peu de route dans la saison. Je dois avoir 400 bornes depuis janvier, mais on est là, on est chaud. Ce week-end, c'est deux compètes, une le samedi, une le dimanche. Ça se passe dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. C'est les deux premières étapes du Tour Région Sud, qui avant était le Tour PACA Junior. Donc, j'ai couru avec des gars qui sont maintenant professionnels sur cette course. C'était une très très belle course junior, mais maintenant c'est ouvert aux juniors, mais aussi aux open. Donc, du coup, j'en profite pour courir avec nos juniors. On va se régaler. Je vous amène avec moi, les gars, la route. Bon, les gars, tranquillement. Domaine de Trélus. Trélus, non, montre pas. T'es fou. Non, les gars, pas de gingembre, je vous mets pas de schéma. Cournille. Passé plusieurs fois. Oh putain. Alors tu arrives à 92 bornes, j'ai pas fait ça depuis 4 ans. Caille, Andon, col de la Cournille. Caille, Andon, col de la Cournille. Caille, Andon, col de la Cournille. Caille, Andon, caille et Andon. Allez, vous la rappelez. Allez, pause repas, on va miam miam. Vous connaissez le parcours ou pas? Col de la Cournille. Pas le timide. Caille, Andon. Col de la Cournille. Caille, Andon. T'as pas chargé le Wahoo chez toi? Il le charge jamais. 10h40, c'est mangé. J'avais carrément oublié cette semaine. Papa, je te mets la vie à côté. Je te mets la vie à côté. Je mets mon cœur de côté. I see the love. Que près du cœur. Ok. Il est déjà arrivé, le monsieur. Eh ouais, pour ça, j'ai dit, c'est pas bon. Putain, c'est pas bon. Bon, on se fait des recours en voiture, du coup. Sérieux. Il y a de la neige sur le circuit. Ouais. Oh, tombez, vous faites pas mal, hein, les gars. Dans la neige, ça va. Ok, descente dangereuse. Ça aurait été mieux. Ouah, papa. Là, on fait un peu de place, les gars. Oh, cool. Ouais, j'aurais préféré de l'autre sens, les gars. Donc, on finira à chercher les dossards. Bon, je vous laisse deviner quelle heure il est. Hop. Bon, vous l'avez deviné, il est midi. Tiens, The Good Biker. Faut prendre 12 000 bidons pour vos compètes de route, les gars, c'est n'importe quoi. Enlevez-moi toutes ces merdes. Une heure de course, ça suffit. La nourriture pour vélo, je sais pas si c'est vraiment bien. On verra, c'est tout neuf. Une heure du départ. Putain, mais... Moi, j'ai au cas où, s'il faisait une hypoglycémie, ça, et là-dedans, regarde-moi ça. Encore des barres et des gels. Ouais, que des gommes. Les bêta-fuels, frère, ça malade. Ça va dégommer, gros. Chaud. Avec les gommes. Ça va dégommer. Oui, il y a une zone de collecte là. Non, alors elle est... Allez, hop. Présentation terminée, on y va. On se casse, c'est chauffé. Le mec a la GoPro, gros. Les gros, on est pas prêts. Échauffement avec les boys. Je suis pas prêt. Donc, dossard. Aujourd'hui, les coureurs s'élanceront au départ de Andon avec, pour commencer, une montée vent de face pour arriver jusqu'au sommet de cette difficulté que les coureurs réaliseront 6 fois en enchaînant après avec une descente technique et une vallée vent de dos. Cette boucle sera réalisée 6 fois afin de définir le leader de ce classement général du Tour Sud Provence. Andon, col de la Cornille, Kyle Andon, à réaliser 6 fois. Voilà, alors, il n'y a pas de fictif aujourd'hui, alors on s'est de suite placé sur le trottoir avec Evan pour avoir les meilleures places sur le départ. Tac, on va descendre cette marche et en avant, on voit Loris à droite là. C'est parti, démarrage, on part pour ces 98 km, on va voir ce que ça donne. Donc on a Evan juste devant là, paf, lui il attend pas 3 secondes, hein. Il cale et en avant, 3, 2, 1, démarrage de la fusée, pff, il va directement se caler tout devant. Il va faire sa course, je pense qu'on va pas le voir beaucoup. Hein. Et voilà, forcément, col de Cornille qui démarre. Alexis Trabuc qui vient nous mettre un gros sac. Non, juste il se replace, mais il a été bien en canne sur ce week-end, ce vilain. Et moi, forcément, ben, je galère parce que ça accélère. Ensuite, ça se calme un petit peu, forcément. Je me retrouve à côté du Loris et derrière le E officiel.
Ensuite, on va en profiter pour se recaler un peu. Technique de cyclocross, tu connais. On esquive les arbres, on esquive les pierres. On se retrouve devant, tout va bien. Et là, il y a un mec de Lyon qui vient mettre une accélération. Forcément, je galère parce que je suis un gros sac de viande. Tout le monde me double petit à petit et moi, je crache mes poumons. Et c'est cette accélération qui a été fatale à notre capitaine de route, Ludovic, qui va pas réussir à passer cette première bosse avec nous. Malheureusement, il reviendra bien plus fort et bien plus échauffé demain. Voilà, il y a Loris qui m'a doublé, ici il y a Kiki aussi qui me double. Et moi, j'arrive tant bien que mal au sommet du col de Cornille avec le groupe. Et on s'élance dans la descente. Alors les gars vraiment en descente, venez faire du cyclocross, vous êtes tous des plots. C'est un truc de malade. Il y a 10 mecs qui savent descendre dans ce peloton, c'est un délire. Donc voilà, la descente, on se régale. Bon, c'est en accéléré, maman, hein. Je vais pas aussi vite que ça, ne t'inquiète pas, je descends tout en sécurité. On n'a pas dépassé les 90 km/h. Voilà, je récupère tranquillement le kicks dans cette descente. Petit encouragement et on y va ensemble pour la suite de la descente. Donc c'est une grande ligne droite jusqu'à la dernière épingle. On descend, boum. On vient rattraper aussi les deux autres juniors, donc Loris et Matt. Je leur fais un petit intérieur là pour faire l'ancien. Et on repart sur la relance jusqu'en bas de la descente. En fait, la descente, c'est deux grands S serrés, une ligne droite, une épingle et une grande ligne droite. Voilà, dans cette descente, j'ai redoublé les trois quarts du peloton. On arrive dans la dernière épingle avant de partir sur la zone vallonnée et vent de dos. Les gars vont se mettre à visser dans toute la première partie. Donc petit à petit, il y a tout le peloton qui va me redoubler. J'arrive pas à suivre. Je me fais doubler de tous les côtés, j'ai pas le rythme. Loris et Matt qui me doublent aussi. Et je vais tant bien que mal réussir à résister. On va péter en fait de ce groupe là avec Kiki. Et finalement on va réussir à revenir sur la ligne. On est avec le peloton donc tout va bien. Loan lui il est en détente, il passe la ligne, on le voit devant là. Il va faire un gros week-end encore celui-là. Il est costaud autant en cross qu'en route. Là dans la roue du Kicks forcément le peloton s'est un petit peu calmé. On remonte le col. Ça met des coups de frein droite à gauche. Et qui je retrouve. Et il y a un mec dans le peloton, il a débarqué avec un maillot magique crème de le vélo de Guylain Lambert, quoi. Guylain Lambert, 54. Signé là. Embarqué. Top. Monsieur les coureurs, prêt pour le départ. J'adore ce film, bref. Au final, on arrive à passer le sommet avec le groupe, mais derrière, dans la vallée, ça va être hyper rapide. On va chasser tant bien que mal avec le Kicks, mais je pense qu'on va pas réussir à rallier la ligne une seconde fois avec le groupe. Là, c'est vraiment le moment où on est en train de péter. On le sait, quand on se retourne, on regarde le groupe qu'on est en train de former et on se dit, bon, on va être compagnon de route pendant un bon moment. Donc heureusement, le peloton aura un peu levé le pied, on va réussir à rentrer encore une fois sur la ligne, mais derrière dans la bosse, on va péter et former du coup ce groupe d'une vingtaine de coureurs avec le Kicks. Devant, on a encore Loris, Matt et Evan. Et derrière, du coup, Ludo qui est un petit peu plus derrière. Voilà, là, on bascule. Heureusement qu'il y a cette descente qui me met trop bien. Je récupère énormément d'énergie dedans. Et derrière, j'arrive un petit peu à être mieux dans le vallon, dans le vent de dos, où ça vise quand même pas mal dans ce groupe. Hein. Là, on a le Kicks qui change d'eau, mais cette histoire, elle est incroyable aussi. Kiki oublie de remplir ses bidons. Et du coup, va aux toilettes de l'organisation pour remplir l'eau. Kiki ne goûte pas l'eau. Kiki trouve que l'eau n'est pas bonne. Évidemment, Mino, qu'elle n'est pas bonne. L'eau, c'est l'eau des chiottes. Bref. Ensuite, on récupère Matt du coup, dans cette vallée-là. Il nous dit clairement qu'il est cuit. Donc, il a tenu un peu plus longtemps que nous dans le peloton. Mais derrière, il est quasiment en hypo. Il est cramé. Donc, dans la bosse suivante, ben, il va craquer de ce groupe-là et finir tant bien que mal. Donc, juste après la cinquième bosse, on va venir récupérer Loris. Donc, ça, je ne l'ai pas en vidéo forcément parce que j'avais plus de batterie dans la caméra. Kiki va lancer Loris pour l'arrivée. Et Loris va réussir à faire premier, je crois, du groupe. Je crois que Matt s'arrête, moi je finis dernier des mecs classés pas hors délai. Et du coup Evan forcément n'était pas avec lui. Donc je lui ai demandé un petit résumé interview de sa course, c'est parti. Alors cette première étape s'est très bien déroulée pour moi. J'ai pu accompagner les coups, je me sentais super bien. Donc
J'ai pas subi la course, j'ai pu être à l'avant et être actif. J'ai pu tirer mon épingle du jeu en sortant dans le dernier tour et rattraper quelques coureurs et arriver au sprint et finir 12e et 3e junior. Action à chaud de Romaric Ploche. De monsieur Romaric Ploche. Alors, équipier modèle de c'est monsieur. C'est mieux d'être dans l'herbe. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc là, petite vélo synthétique. Sensation. Donc après le foot, après le vélo, il joue au foot. Voilà. Ouais. Petit futsal des familles quoi, le frérot il a pas de temps à perdre. Il est éclaté. Il s'entraîne tout seul pendant un tour. Après l'attaque j'ai explosé. Le cyclisme c'est dur. Hein. Moi j'ai bu le classique. Moi j'ai bu un bidon. Yes Loris. Oui. Yes la maman de Loris. Tu bois quoi un peu? Un peu d'eau. Nah. Un peu de gazon, un peu de limonade. Un peu de limonade. Direction le logement. Chut. Hop, on arrive. Notre logement du jour, double étoile. C'est ce que c'est. Oh, hôtel de monstres. On est où? Chambre 22, je sais pas, on doit être vers là. 22, ça doit être là. Paf, cette chambre est dingue. Elle a un style à l'ancienne. Tapisserie à l'ancienne. Toute fleur, franchement, c'est waouh. Même les lustres de l'an Saint-Glinglin. La prise de la télé, elle est là. Ouais, bon. Donc, si tu la débranches. Miroir rectangulaire. Non, franchement, bien. Et la douche? L'électricité, elle est où? Ah, il n'y a que des toilettes. Non, la douche est là-bas. Ah, la douche est là-bas. Oh, putain, la cure. Ah. Oh, putain, une baignoire. Je vais mettre de l'eau froide dedans, je vais mettre bien. C'est là. Baignoire d'eau froide. Pour récupérer. Déjà, allez, la chambre est rangée. On y va. 19h, on n'a pas le temps, on va manger. Allez, hop. La story à mort, les belles assiettes comme ça, obligé de faire une story. Poulet, pâtes, le festin est mangé. On va aller voir ce qui se passe dans la chambre des hommes. Ils dorment ou quoi? Ah! Allô mon chef. Je suis au téléphone avec la baisse. Allô? C'est 21h30. 9. 39. Faut être précis. Bonne nuit, on éteint les feux. Allez, c'est 9h. Quoi déjeuner? Oui, manger. Les gars, on a trouvé le meilleur pilote du monde entier, les gars. J'avoue, frère. Vous êtes prêts? Voilà. Le clébard, même lui, il est choqué. Même lui, il est choqué, frère. Shot bar. Donc là, on est en haut du. À Comte-sur-Arthurby, les gars. Comte-sur-Arthurby. Ville créée en 1342. Exactement. Au Moyen-Âge donc. Et il y a 378 habitants. Voilà, donc une petite ville assez modérée, de taille moyenne, voire petite. Très petite, donc c'est surtout un hameau sûrement. Et voilà. C'est une ville qui s'étend sur la particularité du Var. Exactement. Voilà, proche de Fayence. Et de toutes les autres montagnes. Voilà, exactement. Donc petit vue panoramique de la vue. De, hein, dédicace à personne, fallait être là. Voilà, on est là. 10h45. C'est la pause, en patiente. Moi ? Oh, ouais. Je fais l'amour. Échauffement du cou. J'étais en tête du peloton. Qu'est-ce que tu me parles ? Non, c'est la tectonique, lui. Reste concentré sur tes échauffements. C'est pas tout à fait bien épilé. Ah, c'est vrai. Mais bon. Ah. Okay, yes tu remportes enfin un bateau. Attends, c'est pas à toi, c'est à Ivan. C'est l'heure de manger, les gars. Oh, sans blague, je vais me masturber, c'est pas trop stylé. Oui, la même nuit. Pas de jambon. Chut. onze heures et quart, l'heure du Licard. J'ai failli rater le brief de Lolo. Voilà, ils sont déjà tous prêts pour le brief du DS. Toute cette partie-là, c'est plat. C'est parti en gros, ils ont ski. Sous peau. Dans sa bulle, le Evan. Mais de jogging. Là, je kiffe. J'ai ouais, ouais. C'est là qu'ils sont. On est à 1h, même pas du départ, même pas prêt. Valise pas fermée. Chaussures qui traînent. Tous les autres sont déjà sur le circuit. Kiki, c'est un boucan. Vaut mieux l'avoir en photo qu'en rangement à la maison, je vous le dis. Allez, échauffement. Tac, avec le Ludes et le E.
Allez, présentation de cette seconde étape du Tour Région Sud au départ de Comps sur Artubis. Donc une première montée, ensuite une redescente un petit peu technique sur Trigans. Et ensuite on attaque cette longue montée pour arriver jusqu'au village de Brenon où il y a justement le GPM. Ensuite on va venir rebasculer dans une petite vallée pour choper le village de Châteauvieux. Ensuite une remontée jusqu'au sommet du col de Clavel et une grande redescente dans une vallée avec plutôt le vent de face pour revenir sur Comps. Et on va réaliser ça deux fois, donc ça fera deux boucles d'à peu près 50 km pour un total d'à peu près 100 km au compteur. Châteauvieux, la montée de Clavel et ensuite une grande vallée pour revenir jusqu'à Comps, l'arrivée. Là, le speaker ne voulait pas nous laisser partir, il n'arrêtait pas de parler, mais finalement, enfin, les arbitres nous ont lancé le top. Donc là, cette fois, on part sur un kilomètre de fictif et ensuite démarrage de la course. Donc on va venir se placer sagement avec les copains pour discuter un peu jusqu'au coup de sifflet de notre arbitre Julien Hugues. Et ensuite ça démarre. Donc franchement au début, dans la première montée après Comps, on a eu droit à quelque chose de très calme. On a pu profiter un petit peu du peloton et de la bonne ambiance on va dire. Avant d'entamer la suite de la course et la souffrance dans ces deux grandes boucles. Donc là on voit notre beau maillot à peau à paca, juste ici. Là je me cale dans la roue du Kicks, il va nous faire un petit replacement technique zigzag et hop on se retrouve un petit peu plus devant. Et ensuite on va voir pointer le bout de son nez, le petit coureur exceptionnel de la journée junior, Loan Barrio, juste là on le voit, il apparaît, il a été très costaud aujourd'hui. Voilà, je suis derrière tous les copains, donc on a Evan devant, le Kicks, Matt, ça roule un petit peu plus vite mais ça reste quand même tranquille. On branche un peu les copains vététistes qui sont perdus sur la route et en plus qui courent que le dimanche. Et là on va basculer sur la descente tranquillement, donc on est un petit peu plus loin dans le peloton. Alors je vais vous montrer le cours de descente de Matteo. Le gars va nous redoubler tout le peloton quoi. Je l'ai suivi, on a fait clairement une descente à fond et au moins on s'est retrouvé tout devant. Il avait fait pareil hier, il avait pété du peloton et dans la descente il avait réussi à rejoindre le peloton pour faire un tour de plus avec eux. Donc voilà, je vous laisse avec le petit cours de maths, comment descendre et doubler des plots. Et salut Evan qui est planté. Alors, on va arriver en bas de la descente, on est quasiment à la tête du peloton donc c'est cool. On n'a pas forcément plus forcé mais en tout cas on a moins freiné donc du coup ça nous a permis d'à la fois récupérer et de se replacer, donc c'est toujours cool. Et là on va attaquer du coup la bosse pour arriver à Trigans, donc ça petit pétard de rien du tout qui se voit même pas sur la courbe, mais c'est très très raide et du coup je me suis retrouvé au fin fond du peloton, bien à l'arrière quoi. Heureusement qu'il y avait une descente pour arriver au village de Trigans qu'on voit sur le côté, super joli. On descend avec ces grandes courbes pour arriver jusqu'au centre du village, c'est vraiment stylé, ces belles courbes là où on peut vraiment profiter de sa vitesse. Et voilà, je me retrouve dans la roue du Kicks, paf, on va arriver tranquillement difficilement je dirais, dans le centre de Trigans. On passe sous le petit Porsche, à la sortie du village, on a le pont romain que nous avait briefé Laurent qui est un petit peu serré, on fait bien attention. Et ensuite ça se met à visser sauvagement dans toute la vallée jusqu'au début de la bosse et on va se retrouver en petit groupe. Donc là il y a le groupe de Loris, mais on est un petit peu plus derrière. Et ensuite on voit le groupe de Ludes. Ludo qui est là. Et du coup j'étais dans un groupe avec Kiki et Matt, mais bon j'avais les jambes tellement dures qu'au début de la bosse, pouf, j'ai éclaté. Lui Evan il a tenu le peloton, son résumé maintenant en interview. Le dimanche ça a été un tout petit peu plus compliqué, j'ai eu une mauvaise lecture de la course, j'ai fait quelques erreurs. Et je suis sorti dans le dernier tour avec quelques coureurs et on s'est échoué à quelques secondes du groupe. Mais je conserve ma place de troisième au général, donc c'est super. Donc c'est le groupe d'Ivan et de Loan que Evan a essayé de chasser sans réussir. Donc là c'est le groupe amené par Alexis, donc le plus ou moins peloton, dont Evan est sorti dans le dernier tour sans réussir à rattraper le groupe de devant. Et juste ici le groupe de Noto Roi avec Matt, Kiki et Loris, qui ont fini ensemble du coup avec je crois un sprint de Loris pour régler ce groupe. Et voilà, arrivé du vainqueur du coup, encore un mec de Hex. A noter que mon petit Ludo a pas eu le droit de partir sur le second tour, car hors délai, donc on le voit sur le côté ici. Hop. Voilà les arrivées qui vont s'enchaîner, Loan qui fait une super belle course. Ensuite on va avoir droit à l'arrivée de Evan qui règle son petit groupe de chasseurs. Et petit à petit, tous nos autres coureurs, Laurie justement qui règle son groupe, Kix,
et Matt aussi qui arrive dans le groupe. Voilà, on va attendre la cérémonie protocolaire. Le dernier franchi la ligne d'arrivée pour la cérémonie. Là, j'ai depuis maintenant 20 bornes, 25 bornes, peut-être même 30 bornes. On profite du paysage. C'est beau le sud. Hein. Allez, on va faire tout ce qu'on peut pour aller l'arriver au plus vite. À tout à l'heure. Allez, 1 km, Oro. Allez. Ouais, c'est bien, les gars, vous êtes dépouillés, c'est bien. C'est bien. Après c'est dur. On est reparti, c'est déjà l'heure de la pause pipi. C'est ciao. Garde le derrière. Il est en train de courir. Fais le courir un peu, fais-lui traverser le pont, hein. C'est bon, ça lui fera du bien. Regarde le derrière. Voilà. T'avais ton petit fractionné ou quoi? Un peu plus. Ok, la pause. Hein? Attends, je dégaine mon cellulaire. J'active le flash. Comment ça va, ma petite pupuce? Ma petite puce, comment elle va? Allez, on va manger. Oh, il est trop fort, il est trop fort. Oh, il est trop fort. Il m'a dit, bon, bah les couilles, il me casse le bras quand même. Tu crois qu'il va faire les choses à moitié? Papa? Papa, c'est bon quoi? Bon ramadan, les gars, bon ramadan. Papa? Alors, on est bien arrivé. On va décharger les vélos sagement. Et, ouais. Et après, dodo les gars, c'est quand même tard. Hein. Il est exactement 21h21.